Bonsoir mes amis, je suis content de vous retrouver. J'ai le plaisir également d'aborder avec vous un nouveau thème qui est relatif à l'élaboration de l'état de rapprochement bancaire. D'accord mes amis, donc commençons tout d'abord par définir qu'est-ce que l'état de rapprochement bancaire. Donc c'est tout simplement un document qui tente de concilier le solde du compte bancaire chez l'entreprise d'une part et chez la banque d'autre part, n'est-ce pas mes amis? Donc il est pratiquement systématique que les soldes ne soient pas égaux, surtout dans les entreprises qui développent, si vous voulez, un nombre impressionnant très important d'opérations, n'est-ce pas? Bien entendu, cette divergence entre les soldes du compte bancaire chez nous et chez la banque, il provient de plusieurs sources, mes amis, n'est-ce pas? Tout d'abord, il provient d'erreurs, d'omissions, de doublons et parfois de décalages également, n'est-ce pas? Parfois, nous avons connaissance de certaines opérations que la banque n'a pas encore, si vous voulez, connues et vice-versa, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que tente justement de faire cet état de rapprochement bancaire et bien entendu avec une précision, avec si vous voulez tout le soin que l'on porte à l'élaboration de cet état de rapprochement, nous finissons toujours par harmoniser les deux soldes, d'accord? Donc c'est mettre en quelque sorte en harmonie le solde du compte bancaire détenu par la banque et celui qui est en notre connaissance et qui est enregistré dans le compte 512 que l'on retrouve, si vous voulez, dans le grand livre, n'est-ce pas mes amis? Parfait, donc c'est à peu près cela pour en quelque sorte la métaphore pour vous donner une image à travers ce document si vous voulez. C'est un petit peu comme si vous jouez dans un orchestre philharmonique avec un ami, n'est-ce pas? On va dire que vous êtes plusieurs dizaines à jouer dans cet orchestre et il se trouve que vous êtes violoniste avec votre ami, n'est-ce pas? Il se peut à un moment donné par exemple que vous jouez sur la gamme on va dire Do majeur, alors que votre ami va jouer, lui, par exemple, sur le ré mineur, n'est-ce pas? Forcément, il y aura une fausse note quelque part, mes amis, n'est-ce pas? Quand bien même vous jouez le même morceau, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il y a en quelque sorte un décalage, n'est-ce pas, dans l'intonation, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous ne jouez pas sur la même gamme. Et là aussi, pratiquement pour, bien entendu, jouer correctement, qu'est-ce que vous devez faire, mes amis? Vous devez accorder vos violons, tout simplement, avec, par exemple, un instrument, avec un outil qui s'appelle le diapason. Donc, si vous voulez ramener l'image à la comptabilité, c'est un peu la même chose. Vous et votre ami, on va imaginer que l'un, c'est l'entreprise et l'autre, c'est la banque. Vous jouez sur des gammes différentes. Il y a des informations que connaît le comptable et pas le banquier et vice-versa. Et pour, si vous voulez, mettre en quelque sorte sur le pied d'égalité, en quelque sorte, les soldes qu'on peut comparer aux sonorités, bien entendu, il faut un instrument en comptabilité, mes amis, il s'appelle l'état de rapprochement bancaire. Donc, c'est un état dont la finalité est de mettre sur le pied d'égalité le solde du compte banque détenu par la banque, donc communiqué par la banque, et celui que l'on extrait, si vous voulez, de nos opérations du compte 512, si vous voulez, du grand journal, n'est-ce pas, mes amis? Parfait. Et maintenant, sur le plan opérationnel, mes amis, qu'est-ce qu'il faut pour élaborer un état de rapprochement bancaire? C'est bien simple, mes amis. Tout d'abord, il faut le relevé bancaire, qu'on appelle également l'extrait de compte, n'est-ce pas? L'extrait du compte bancaire, il nous est envoyé par le banquier à des dates, si vous voulez, on va dire plus ou moins espacées. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, secondo, qu'est-ce qu'il nous faut, mes amis? Il nous faut également tirer du grand livre, si vous voulez, l'historique du compte banque 512, n'est-ce pas? Avec, si vous voulez, le solde initial et plus l'ensemble des opérations, n'est-ce pas, qui sont enregistrées dans ce compte, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, généralement, tout dépend en quelque sorte de l'importance de l'entreprise et, si vous voulez, du nombre d'opérations, de la fréquence du recours, si vous voulez, à un compte bancaire quelconque. Mes amis, généralement, il est établi une fois par mois, n'est-ce pas, mes amis?
une fois par mois. Pourquoi? Tout simplement pour permettre un suivi rigoureux de la trésorerie. Le contrôle de gestion insiste sur, si vous voulez, le contrôle et le suivi de la trésorerie. Beaucoup de problèmes peuvent provenir, si vous voulez, de la gestion de la trésorerie. Si vous voulez, on va revenir là-dessus. Mais c'est, si vous voulez, c'est une autre paire de manches, si vous voulez. C'est un autre thème assez voisin, mais dont les techniques sont relativement différentes, n'est-ce pas, mes amis? Et puis, il vous faut quand même un troisième document, lequel, mes amis, c'est tout simplement l'état de rapprochement bancaire de la période précédente, n'est-ce pas? Donc, nous avons dit, une fois par mois, c'est nécessaire pour pouvoir suivre, en quelque sorte, la trésorerie. Et bien entendu, à la fin de l'année, c'est obligatoire, même si vous voulez, ce document-là n'est pas prévu par un texte comptable quelconque, mais il est incontournable, n'est-ce pas? Il est rendu presque obligatoire dans la mesure où vous ne pouvez pas connaître l'origine des discordances du compte bancaire entre ce qui existe chez vous et ce qui se manifeste à travers le relevé bancaire, d'accord? Donc, mais pratiquement à la fin de l'année pour l'élaboration des travaux d'inventaire, donc pour si vous voulez faire votre bilan, pour dresser votre compte de résultat, pour établir votre tableau des flux de trésorerie, il est indispensable, si vous voulez, d'élaborer, d'établir, d'avoir à côté, si vous voulez, ce tableau de rapprochement bancaire. D'accord ? Donc, pour les petites entreprises, il m'est arrivé déjà de voir que certaines petites entreprises, dans le nombre d'opérations par le biais de la banque n'est pas très important. Généralement, ils le font une seule fois à la fin de l'année. D'accord ? Et maintenant, sur le mode opérationnel, comment on procède, mes amis ? Généralement, bien entendu, ça dépend également du nombre d'opérations. Si vous avez, par exemple, une liasse assez importante, assez épaisse d'opérations sur le relevé bancaire, généralement, si vous prenez un seul opérateur, il peut se perdre, n'est-ce pas, mes amis? Donc, il faut deux comptables, il faut deux agents, n'est-ce pas, quelconque. L'un va tenir, si vous voulez, le relevé bancaire et l'autre va tenir le compte banque chez l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ils vont procéder, en quelque sorte, par rapprochement, qu'on appelle également par recoupement ou encore par comparaison. D'accord? Donc, ils vont lancer, en quelque sorte, un à un des montants qui figurent sur l'un et l'autre document, et puis ils vont procéder par cochage. Il y a aussi une autre méthode, mes amis, qui s'appelle le lettrage, n'est-ce pas? En portant A, B, C, D, etc. Parfois, c'est nettement mieux que le cochage, n'est-ce pas? Parce que parfois, si vous voulez, un même montant, par exemple, 500 000 par exemple, qu'on va retrouver chez la banque et chez l'entreprise, ne veut pas dire forcément la même chose, n'est-ce pas? Si vous retrouvez 500 000 ici, 500 000 là, il se peut que les deux opérations ne portent pas, si vous voulez, sur un même objet. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il faut faire vraiment attention, n'est-ce pas, aux références des opérations. Et puis, à la fin, quand vous aurez listé toutes les opérations, forcément, il en restera qui ne seront pas pointées, qui ne seront pas cochées dans, si vous voulez, chez le comptable de l'entreprise qui suit les opérations, si vous voulez, du compte 512. Et d'autre part, il y aura aussi des opérations qui ne sont pas, ou bien qui n'auront pas été pointées sur le relevé bancaire. Et bien entendu, à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dresser deux tableaux, n'est-ce pas? Le premier tableau, c'est le compte banque chez l'entreprise. Et l'autre, c'est le compte de l'entreprise chez la banque, d'accord? Il est tout à fait normal de les rapprocher et nous avons dit l'objectif ultime, mes amis, c'est d'aboutir à un même solde chez la banque et chez l'entreprise, d'accord? Si vous n'oubliez rien, si vous n'omettez pas d'opération, si vous évitez les doublons, les anomalies, etc., forcément, vous devez arriver. Dès lors que vous aboutissez au même solde chez vous et chez la banque, c'est que vous avez réussi votre état de rapprochement. Donc, mes amis, sans tarder, j'ai préparé pour vous, comme nous avons l'habitude de le faire, un état, j'allais dire, un cas pratique relativement simple que je n'ai pas compliqué pour essayer de faire passer le message au mieux, n'est-ce pas? Mais si vous comprenez la méthode, mes amis, soyez sûrs que vous pourrez élaborer l'état de rapprochement d'une entreprise, par exemple, qui peut disposer même de dizaines, voire même de centaines d'opérations sans risque de vous tromper. Encore faut-il être minutieux, méticuleux, mes amis.
N'est-ce pas? Donc, nous n'allons pas tarder à lire l'énoncé du cas pratique que j'ai préparé pour vous. Et bien entendu, on va par la suite aborder la résolution de ce cas pratique pour une meilleure compréhension. Donc, les amis, on vous dit qu'au 31 décembre 2016, le compte 512-1, n'est-ce pas? 1, c'est pour le CPA, donc de la SARL Walid, présente un solde débiteur de 433,684,50. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, on vous dit que par ailleurs, le relevé bancaire envoyé par le CPA présente un solde créditeur de 526,878 dinars, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, en réalité, on vous dit ici les créditeurs, mais chez nous, il est débiteur, n'est-ce pas? Vous voyez un petit peu l'histoire de la partie double, n'est-ce pas, mes amis? Si vous avez, par exemple, un grain de beauté sur la joue gauche, en vous regardant dans un miroir, forcément, vous allez le voir sur la joue droite, n'est-ce pas? Donc, c'est l'image réfléchie. Donc, retenez, mes amis, que ce qui est débit chez vous est crédit chez la banque et vice-versa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est tout à fait normal que, par exemple, en déposant de l'argent chez votre banquier, on va dire que vous avez un débit chez vous, mais ça sera un crédit chez le banquier, n'est-ce pas? Et bien entendu, vice-versa. Si vous en retirez, ça sera crédit chez vous et ça sera débit chez la banque, n'est-ce pas, mes amis? Donc, c'est carrément le béaba de la comptabilité, n'est-ce pas? Et puis, bien entendu, on vous dit que lors du pointage, le comptable a relevé ce qui suit, d'accord? En faisant le pointage du relevé de bancaire d'une part et du compte 512 extrait du grand livre d'autre part, si vous voulez, mes amis, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve deux types d'opérations, donc deux compartiments. Le premier compartiment, mes amis, il s'agit d'opérations enregistrées par la SARL, c'est-à-dire par l'entreprise, qui ne figurent pas ou bien qui ne sont pas inscrites sur le relevé bancaire. D'accord? Nous avons parlé tout à l'heure du cochage. Donc, ce sont des opérations qui ne sont pas pointées. Donc, il s'agit, mes amis, de deux chèques. Le premier porte le numéro 112. Il a été émis en faveur du fournisseur Samy pour un montant de 7766,50. Et pour le second chèque, il s'agit du chèque numéro 136 qui a été émis en faveur de la CNAS, c'est-à-dire Caisse Nationale d'Assurance Sociale, pour payer bien entendu les cotisations sociales par ouvrière et par patronat pour un montant de 43,659 dinars, n'est-ce pas, mes amis? Donc là, il s'agit bien entendu, retenez-le, mes amis, il s'agit d'opérations enregistrées par la SAR mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, donc qui ne sont pas qui ne sont pas en quelque sorte portés à la connaissance de la banque. Et là, c'est, si vous voulez, c'est le contraire, n'est-ce pas, mes amis? Il s'agit d'opérations inscrites sur le relevé bancaire, qu'on retrouve sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas inscrites sur les journaux de la SAR. Donc, il s'agit de deux opérations, mes amis. Il s'agit de commissions bancaires du quatrième trimestre 2016 pour un montant de 12 910 dinars. Et d'autre part, il s'agit d'un virement du client Mergine pour 54,678,80 dinars. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? La banque a prélevé les commissions pour un montant de 12 910 relatif au quatrième trimestre, mais cette opération n'a pas encore été communiquée à l'entreprise, donc elle ne peut pas le savoir, n'est-ce pas? Et l'entreprise ne peut le savoir, si vous voulez, qu'au moment où elle reçoit le relevé bancaire. D'autre part, vous avez le client Magique qui a viré au profit de la SARL au profit de notre entreprise d'un montant de 54,678,80. Autrement dit, chez nous, Majid figure toujours au compte client, n'est-ce pas, 411, mais nous n'avons pas encore été informés, si vous voulez, du virement qu'il a effectué, bien entendu, pas avant que nous recevions cet état, ce qu'on appelle l'extrait de compte ou bien qu'on appelle également le relevé bancaire. Donc, mes amis, pour élaborer cet état de rapprochement, il suffit, si vous voulez, de dresser deux comptes classiques, si vous voulez, juxtaposer, que vous pouvez lier, que vous pouvez séparer, peu importe. L'essentiel, c'est de les nommer ainsi. Compte banque chez la SARL pour le premier et compte de la SARL chez la banque. Donc, nous avons dit, c'est l'image réfléchie. Le but ultime que nous recherchons, c'est de mettre sur le pied d'égalité, c'est d'harmoniser, c'est de mettre de niveau les deux soldes, en recherchant bien entendu les omissions, les opérations qui sont enregistrées chez l'entreprise et pas chez la banque, et bien entendu vice-versa. Donc mes amis, on va commencer tout simplement par l'affaire, n'est-ce pas? C'est un petit peu par l'affaire, puisque les soldes que nous avons obtenus à la fin
sont débiteurs de 430 € 684 chez l'entreprise, on va porter ce montant ici, 430 € 684,50. Là, le montant, si vous voulez, il est débiteur, n'est-ce pas? Parfait. Et maintenant, mes amis, quelles sont les opérations qui ne sont pas portées à notre connaissance, bien entendu, avant de recevoir le relevé bancaire? Bien entendu, il s'agit de commission bancaire du quatrième trimestre. Donc, nous allons les inscrire ici. Commission bancaire du quatrième trimestre 2016. Comme il s'agit, mes amis, d'un prélèvement du compte bancaire, comme il s'agit d'une ponction, là, ça va apparaître sur, si vous voulez, ce compte, dans la partie crédit pour 12 910 dinars. Parfait. Et puis, on va revenir maintenant au virement du client Medjid, n'est-ce pas? Le client Medjid, finalement, il a alimenté notre compte bancaire sans qu'on le sache. Il n'est pas trop tard. On va porter l'inscription ici. Donc, virement client Medjid pour un montant de 54 678, mais là ça va apparaître, si vous voulez, dans le débit du compte, parce qu'il s'agit d'une alimentation du compte pour 54 678 80. Parfait. Maintenant, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra toujours vous souvenir du moyen, n'est-ce pas, classique, le plus connu, c'est le verbe à la comptabilité, c'est tout à fait les débuts. On va tirer les totaux pour avoir le solde, bien entendu. Donc, 430 € 684,50 plus 54 678,80, mes amis, nous allons avoir un montant total de 488 363. 488 363,30, n'est-ce pas, mes amis? 488 363,30. Et la même chose du côté du crédit, sinon la partie double ne serait pas respectée. 488 363,30. Et pour équilibrer, mes amis, le compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer tout simplement notre solde, n'est-ce pas? Solde débiteur. Solde débiteur, c'est-à-dire le solde définitif, on doit le rajouter du côté du compte le plus faible, n'est-ce pas, du côté le plus faible du compte pour équilibrer celui-ci, pour équilibrer le compte. Et mes amis, nous allons obtenir 475 450 €. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis? Donc là, nous avons terminé avec la première partie, c'est-à-dire le compte banque 512, tel qu'il devrait apparaître chez la SAD, d'accord? Donc, solde définitif, si vous voulez, mes amis, 475 453,30. Passons, mes amis, maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire rendons visite à la banque pour voir ce qui doit se dérouler chez cet établissement, c'est-à-dire chez le CPA. Qu'est-ce qu'on devrait porter? D'abord, nous avons le solde créditeur, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'il est de 526 878,80. Parfait. Et maintenant, quelles sont les opérations qui ne sont pas portées à la connaissance de la banque avant, si vous voulez, le tracé de ces deux tableaux de cet état de rapprochement? Bien entendu, il s'agit d'abord du chèque 112 émis en faveur de Samy. Chèque 112 en faveur, on va dire que c'est un fournisseur, d'accord? Fournisseur Samy, d'accord? Pour un montant de 7 766,50, n'est-ce pas? Et ce montant, on va le porter au débit parce que c'est le contraire, nous avons dit, de l'entreprise, n'est-ce pas? Le principe réfléchi. 7 766,50. Parfait, mes amis. Et nous avons émis également un autre chèque numéro 136
en faveur de la Caisse nationale d'assurance sociale. Bien entendu, ces deux chèques-là, que ce soit pour SAMI, que ce soit pour la CNAS, ils ont été émis, n'est-ce pas, ils ont été remis, si vous voulez, à SAMI et à la CNAS, mais ces derniers ne les ont pas déposés à la banque, c'est-à-dire ils n'ont pas remis à l'encaissement ces deux chèques. Bien entendu, pour la CNAS, il s'agit d'un montant de 43 659 00. Et bien entendu, la même chose, on va tirer les totaux, 526 ici, 878, 80. Comme c'est le montant le plus élevé, on va le reporter également ici, 526, 878, 80, parfait. Donc, on va maintenant rajouter du côté le plus faible, le solde créditeur. Solde créditeur. Donc vous avez 7766,50 plus 43,659. Combien doit-on rajouter à ces deux montants pour obtenir 526,878,80? Ou, mes amis, vous allez faire tout simplement 526,878,80 moins ces deux montants-là pour retrouver 453,30. N'est-ce pas, mes amis? Remarquez l'égalité entre le solde débiteur chez nous, chez l'entreprise, et le solde créditeur chez la banque. Il s'agit bien entendu des mêmes montants. Si nous retrouvons cette exactitude, cette similitude, c'est que nous avons réussi notre état de rapprochement bancaire. Maintenant, conséquence, s'il vous plaît, mes amis. Donc, pourquoi en fait nous établissons l'état de rapprochement bancaire? Nous ne le faisons pas pour l'archiver, tout simplement, mais pour, bien entendu, enregistrer les écritures en comptabilité dans la mesure où elles n'ont pas encore été portées à notre connaissance. Elles ne sont pas enregistrées au départ, mes amis, mais bien entendu, ça ne nous empêche pas, en quelque sorte, de les enregistrer. Excusez-moi, je vais ramener la brosse. Donc, mes amis, nous avons dit l'objectif de cet état de rapprochement, c'est d'abord d'arriver à égaliser les deux soldes, solde chez l'entreprise et solde chez la banque. Et bien entendu, il s'ensuit que nous devons enregistrer les opérations qui ne sont pas encore passées dans les journaux de l'entreprise. Donc, pour les commissions bancaires, mes amis, nous ne les avons pas encore enregistrées. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 627 commissions bancaires pour 12 910 à 512 à, n'est-ce pas, banque pour 12 910. Et pour le virement du client magique, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, c'est le 411 client. Bien entendu, il figurait toujours qu'au débit, n'est-ce pas, mais comme nous avons reçu mes amis, l'encaissement, donc nous allons créditer ce montant, plutôt ce compte 411 pour le montant de 54 678,80. Et bien entendu, le principe de la partie double veut que pour tout compte crédité, un autre compte doit être débité pour le même montant, mais dans le sens contraire, 54 678,80. N'est-ce pas? Ainsi, vous aurez terminé par l'enregistrement des opérations mon compte, c'est-à-dire que celles qui ne sont pas encore enregistrées dans votre journal. Vous avez, si vous voulez, terminé votre tâche. Pour les écritures, si vous voulez, qui ne sont pas compte de la SAD chez la banque, là, c'est-à-dire pour la banque, vous n'avez rien à faire. D'autant plus ici, vous avez un chèque de M. Sami, un autre chèque de la CNAS, il n'y a pas de problème. Dès que ces deux parties-là présenteront leur chèque à l'encaissement, votre compte, bien entendu, sera mouvementé en conséquence. Qu'est-ce qu'il faut retenir également, mes amis? Vous devez établir autant d'états de rapprochement bancaire que de banques que vous avez dans votre entreprise. Si vous gérez, par exemple, 4 ou 5 comptes bancaires, n'est-ce pas,
vous devez établir un état de rapprochement pour chaque banque. Par exemple, vous avez chez CPA, BNA, CNEP, Société Générale, BNP Paribas, il faudra un état de rapprochement pour chaque banque, de manière, n'est-ce pas, à toujours obtenir l'égalité des soldes aussi bien chez la banque que chez l'entreprise, n'est-ce pas mes amis? Donc j'espère que le message est bien transmis, j'espère que vous m'avez compris. Vous essayerez de refaire, si vous voulez, ce petit cas pratique que j'ai préparé d'une manière, si vous voulez, assez simplifiée pour que le message puisse passer, 20 minutes ou bien 25 minutes, ce n'est pas suffisant, si vous voulez, pour développer des cas assez longs, et puis ça risque de vous faire perdre, si vous voulez, l'intérêt porté à ce thème. Sur ce, j'espère vous retrouver, mes amis, très bientôt. Attendez la prochaine vidéo, mes amis, sur le cadre conceptuel, si vous voulez, des référentiels comptables d'une manière générale. Nous allons parler de la définition du cadre conceptuel, nous allons parler, si vous voulez, des hypothèses, de l'objectif des états financiers, nous allons parler des principes comptables généralement connus, etc. N'est-ce pas? Donc, d'ici là, j'espère vous retrouver en très bonne forme. Au revoir, mes amis.